vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend du lieu et de l'heure où vous avez décidé donc de nous suivre partout à travers le monde. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Nous prenons des questions très, très importantes, alors très importantes, qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. On les met sur la table et nous tentons de leur donner un sens, une forme, selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, lorsqu'on commence cette émission, nous disons que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les exprimer, notre manière à nous de les communiquer. Nous sommes évidemment en démocratie. Et la démocratie exclut le règne de la pensée unique. La démocratie, c'est la contradiction, la divergence des points de vue. Nous, ici, nous avons notre manière de voir les choses. Parce que ici, nous sommes dans le cadre d'un genre journalistique qu'on appelle l'éditorial. Et un éditorialiste est tout simplement un journaliste qui monte au créneau pour prendre position, pour donner sa position, pour donner son avis, son point de vue par rapport à ce qui se passe dans sa société. Et on ne peut pas vouloir à ce qu'un point de vue que l'on donne, qui est un point de vue personnel, on ne peut donc pas imaginer l'imposer à tout le monde. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, en démocratie, nous devons accepter la contradiction, nous devons accepter la divergence de points de vue. Et moi, je viens donner mon point de vue ici. Chaque matin, quand je commence cette émission, j'ai l'habitude de dire que les Décrits Info, c'est le tempo de l'actu. Et j'ai dit, j'ajoute souvent que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Non, pas du tout. J'expose mes propos et t'en prie de vos critiques parce que je reste convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière, finit toujours par jaillir. La vraie lumière finit toujours par jaillir. Donc je suis ouvert au débat, je suis ouvert à la contradiction. On peut discuter après cette émission, on peut poursuivre les débats, comme je l'ai toujours dit, dans nos couloirs. Et ça nous fait énormément plaisir, ça fait énormément de bien de savoir que vous êtes nombreux en train de nous regarder. Laissez-moi dire grand merci à nos téléspectateurs. Ils sont de plus en plus nombreux, près de 60 000 à s'être abonnés sur notre chaîne, qui nous regardent et qui nous font des remarques. C'est pour vous que nous faisons ce travail et avec vous. Nous existons parce que vous êtes là, nous existons parce que vous nous apportez la critique, parce que vous nous apportez votre soutien. Je voudrais ici, la main sur le cœur, vous dire merci. Merci de la confiance et de l'intérêt que vous n'arrêtez d'accorder à cette émission. Merci pour vos nombreux appels. Merci pour vos nombreux critiques. Merci également à nos partenaires, la boutique La Londoloise, avec sa patronne, Madame Judith Londolet-Betoko, qui d'ailleurs nous habille aujourd'hui. J'ai toujours dit, vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Contactez donc Judith Londolet-Betoko avec sa boutique La Londoloise. Elle se fera le réel plaisir de pouvoir vous envoyer vos commandes. Et en passant, je rappelle que ce soir, c'est d'ailleurs Judith Londolet-Betoko qui nous habille ce matin dans le cadre de cette émission. Vous avez vu le thème, les amis? Je voudrais un peu revenir sur ce qui se passe au niveau de nos entreprises publiques. Je parlerai de ça et je voudrais aussi dire un mot sur la contradiction de ces ordonnances au niveau de cadastre minier, des ordonnances qui se chevauchent entre celle de M. Tshisekedi et celle de Joseph Kabila, signée bien avant que Tshisekedi ne prenne le pouvoir. Mais vous connaissez le principe. Le principe est que cette émission, nous ne la commençons jamais, alors jamais, si nous ne réservons pas les premières minutes à la situation sécuritaire dans l'Est de la République. J'avais dit que je ferai du combat contre l'insécurité dans l'Est de la République.
J'avais dit que je ferai de la question de l'alerte sur la situation dans l'Est de la République une affaire personnelle. Et je voudrais que cette affaire que je fais personnelle puisse devenir une affaire générale. Nous tous, mobilisés comme un seul homme, en train de prier, en train de fournir des efforts pour faire revenir la paix et la vraie paix dans l'Est de notre pays. C'est ça mon cheval de bataille. Parce qu'à un moment donné, je ne m'expliquais pas du tout, je ne comprenais pas du tout le silence dans lequel nous tous on était plongés. Voir que dans une bonne partie de l'Est de notre pays, la situation est dramatique. Et constater l'insouciance, l'inconscience dans laquelle nous tous ont baigné, je me suis posé des questions et je me suis dit qu'il est temps que l'on se pose des questions, alors les vraies questions pour régler définitivement ces problèmes de l'Est de la République. Et j'appelle donc le Congolais partout où ils sont, je sais que vous me suivez de partout, à Londres, à Paris, à Bruxelles, à Berlin, à Melbourne, à Sydney, à Washington, partout où vous êtes, vous ne devez pas oublier que la mère patrie, c'est la République démocratique du Congo. J'ai toujours aimé cette expression de chez moi au Kassai lorsqu'on dit Kwabenda Kulu Kwamuchi. Kwabenda Kulu Kwamuchi. Si je dois les traduire de manière littérale, ça veut dire être chez autrui, c'est être comme sur un arbre. On ne dort pas sur un arbre, on ne mange pas sur un arbre, on finit toujours par redescendre. Mais dans un français littéraire, on dit on est mieux que chez soi. Kwabenda Kulu Kwamuchi. On peut bien manger les McDo, on peut bien étudier dans des bonnes conditions, se faire soigner dans des bonnes conditions, mais vous allez vous rendre compte que votre cœur continue à battre pour votre pays, la République démocratique du Congo. C'est ça, la République démocratique du Congo qui est donc notre mère patrie. Et j'en appelle donc au sens des responsabilités de nous tous, au fin de travailler pour permettre à la paix de rentrer dans notre pays. Ici, je voudrais réitérer mes encouragements à nos FARDC, nos forces armées de la République démocratique du Congo. À l'heure où nous parlons, nos vaillants militaires sont engagés dans une opération de guerre contre les milices et les groupes armés dans l'Est de la République. À l'heure où nous parlons, notre président, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, a lancé une opération issue d'un état de siège décrété dans le Nord Kivu et à Ituri. Nous voudrons ici exprimer notre soutien non seulement à nos vaillants militaires, mais aussi notre adhésion et notre soutien à son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai dit que lorsque la patrie est en danger, j'ai dit que lorsque les questions importantes liées à notre avenir et à notre devenir sont engagées, nous devons oublier nos appartenances politiques. Nous devons oublier que nous sommes des Lamouka, des Ludepès ou je ne sais de quoi. Nous devons faire battre le cœur du Congo. C'est là que la vraie congolité doit s'exprimer. C'est là que la vraie congolité doit s'exprimer. C'est là que les vrais Congolais doivent se lever pour dire non à ça. On ne peut pas accepter ça pour notre pays. Ici donc, j'appelle le monde entier à regarder ce qui se passe ici chez nous. Je soutiens les actions menées par le président de la République et je voudrais que nous tous Congolais, nous puissions faire pareil. Dans la foulée, je voudrais dire un mot à nos compatriotes après la situation catastrophique de Niragongo dans l'Est de la République. Le calme semble de plus en plus de retour. On bénit les seigneurs pour ça. Mais je ne voudrais pas que ça passe comme ça. J'ai dit que dans des nations civilisées, lorsqu'il y a des situations comme ça, on s'assoit, on se pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? Que faut-il faire pour que ça ne se reproduise plus? On ne peut pas, n'est-ce pas, empêcher au volcan de rentrer en éruption parce que c'est un phénomène naturel. Mais nous pouvons prendre des mesures, alors les mesures importantes, pour empêcher que nous ayons des problèmes en matière d'évacuation notamment de nos compatriotes. Nous pouvons faire que notre observatoire volcanologique soit mis plutôt dans bonne enseigne pour nous permettre
d'être au parfum de ce qui doit se passer quand il doit se passer. Donc c'est important ce que je suis en train de dire, les amis. Nous devons nous organiser pour que dans l'avenir, que nous soyons en mesure de gérer ces situations de la manière la plus professionnelle. Parce que ce que j'ai vu à Gomama laisser pantois et sans voix, des populations abandonnées à leur triste sort. J'ai vu des gens être évacués sans l'encadrement de la police, sans l'encadrement des forces armées, sans les interventions médicales. C'est terrible. Je voudrais ici donc appeler nous tous à prendre nos responsabilités, appeler nous tous à prendre des mesures qu'il faille, à tirer les responsabilités et à punir les cas échéants, les fautifs, s'il y en a parmi nous qui ont fauté. Parce que par exemple, il vous souviendra qu'on nous a appris que ça fait plusieurs mois que l'OVG, l'Observatoire volcanologique de Goma, n'avait plus de moyens. Qu'est-ce qui fait que cet observatoire a manqué des moyens alors qu'ici dans ce pays, on nous parle des drames, on nous parle des détournements, des dizaines de millions de dollars américains et nous devons tirer les conséquences. Je voulais parler de mon sujet du jour, faire une sorte d'analyse sur ce qui se passe dans nos entreprises publiques. Mais avant ça, je vous avais également dit que je vais continuer à alerter sur les activités de M. Dan Gettler. Je voulais dire un mot sur M. Dan Gettler. Ici, demain, je recevrai les responsables de l'ONG Le Congo n'est pas à vendre. J'ai encore parlé avec eux. Des rapports et ce qu'ils reprochent à M. Dan Gettler sont accablants. J'avais dit à son Excellence, M. le Président de la République, Excellence, l'heure de nous dire la vérité sur Dan Gettler est arrivée. L'heure où les gens doivent délier leur langue pour parler des activités de ces messieurs-là est arrivée. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je trouve anormal. Je trouve assez... j'allais dire que nous tous, on est un peu inconscients. Pourquoi? J'ai l'impression que l'étranger se soucie de nous mieux que nous-mêmes. Dan Gettler, que l'ONG, le Congo n'est pas à vendre, qualifie d'homme d'affaires sulfureux, est un homme qui est cité dans plusieurs rapports, notamment celui du Congo n'est pas à vendre, pas de bons termes. Cet homme a été sanctionné par le Trésor américain. Ses comptes gelés, interdiction aux Américains d'entreprendre, d'échanger, de commercer avec lui. Parce que le monde entier est scandalisé par les activités menées de manière douteuse par M. Dan Gettler dans notre pays. Gettler est omniprésent dans nos mines. Gettler a bénéficié des carrés miniers extraordinaires à l'époque de Kabila. On connaît la collusion qu'il y a toujours eu entre Dan Gettler et M. Kabila. Je l'ai dit la dernière fois quand vous lisez le livre sorti à titre posthume de M. Augustin Katumba Mwanke, il présente Dan Gettler comme étant son frère qu'il a toujours voulu avoir. Ce que les Congolais disent, mon frère d'une autre mère. L'heure de nous dire la vérité sur M. Dan Gettler est arrivée. Augustin Katumba Mwanke avait des collaborateurs, avait des amis qui l'entouraient. Je parle de M. Antoine Gonda Mangalibi par exemple. Il faut que vous écriviez vos mémoires sur ce que vous connaissez de cette affaire de Dan Gettler, M. Antoine Gonda. Vous étiez proche de M. Augustin Katumba Mwanke. Yuma nous a dit ici que nos mines ne nous appartiennent plus. Tout ça, c'est à cause des combines, de la Kabylie. Et parmi les grands bénéficiaires de tout ça, vous allez voir partout M. Dan Gettler. M. le Président, je l'ai dit et je le répète, les hommes d'affaires sérieux à travers le monde, il y en a. Messieurs les autorités de la République démocratique du Congo, faisons les lobbies de notre pays. Trouvons des hommes d'affaires sérieux capables d'apporter de l'argent frais pour nous permettre d'évoluer. Pas ceux qui sont épinglés par les ONG. Pas ceux qui sont mal vendus. Ceux qui sont sanctionnés par les pays étrangers comme M. Dan Gettler.
Dites-nous la vérité. Et ici, j'ai applaudi, je voudrais le refaire. Monsieur Boudimou, j'ai vu le spot impeccable que le Congo a diffusé lors du match de la Champions League, la finale de la Champions League, sur nos potentiels en termes de pétrole. C'est ça qu'il faut faire. Dan Gettler a des permis d'exploitation. Dan Gettler a des contrats de détention des blocs pétroliers. Quand vous prenez le bloc 1 et le bloc 2 de Graben Alberti, monsieur Dan Gettler, comme il le fait avec nos mines, il a profité du régime de triste mémoire de Kabila pour avoir les permis d'exploitation et même les contrats sur le bloc 1 et le bloc 2 de Graben Alberti, Yaba Petro Nabisso. Il n'en fait absolument rien, les amis. Une pratique s'est installée avec les hommes d'affaires véreux au Bazak exploité à Anakongo. Ils ont des contrats, ils ont des permis, ils ne font absolument rien avec. Mais lorsque leurs échéances arrivent à terme, ils vont engraisser les pattes des ministres et des premiers ministres. Bazo renouvelé les bango yango ya ofélé. N'oubliez pas que dans ce pays, ces hommes d'affaires achetés par exemple au Monacaré minier Bobasson bien on a autant de prix, deux semaines plus tard, ils le revendent à un prix beaucoup plus exorbitant et exorbitant. Et le Congo était en train de perdre. J'ai dit que l'heure de tirer la vérité sur les activités de M. Dan Gettler est arrivée. Ne vous fiez pas aux spots publicitaires que je vois à gauche et à droite, à la campagne médiatique sauvage que les compagnies de M. Gettler ont lancée ici dans le pays. Ouvrons l'œil et les bons. Ouvrons l'œil et le bon. Il faut qu'on nous dise la vérité sur nos mines qu'occupe M. Dan Gettler. Comment est-ce que les États-Unis peuvent se soucier de nous plus que nous-mêmes? Comment vous expliquer ça? Monsieur peut avoir des sanctions par les trésors américains. Nous-mêmes, les victimes de ce pourquoi M. Dan Gettler est sanctionné aux États-Unis d'Amérique, nous ne faisons absolument rien. Monsieur, dites-nous la vérité. C'est aussi ça le changement, les amis. C'est aussi ça la rupture entre le régime de M. Tshisekedi et celui des tristes mémoires de Joseph Kabila. Qu'on nous dise qui a fait quoi dans nos mines. Qu'on tire un peu au clair les activités de ce M. Dan Gettler. M. Boudimbou, bravo, ne renouvelez pas le contrat pétrolier de M. Dan Gettler. Ça fait des années que Dan Gettler a le contrat et le permis d'exploitation des deux blocs au niveau de Graben Alberti. Mais il n'en fait absolument rien. Le Congo souffre, nous n'avons pas de frais, nous n'avons pas de capitaux, nous n'avons rien, un petit budget minable de 3 à 4 milliards de dollars américains. Et pourtant, potentiellement, nous sommes riches. Si nous vendons au mieux, nous faisons un bon lobby de nos blocs pétroliers, nous pourrons exploiter les pétroles comme le Nigeria, comme le Congo-Brazza. Mais c'est parce que Kabila a pris, il a distribué nos richesses comme des petits pains et des personnes comme Dan Gettler en ont profité. Au détriment du trésor public, au détriment de la RDC. Parce que quand on prend des permis d'exploitation et qu'on n'en fait rien, qui perd? L'heure de la vérité est arrivée. Je serai ici demain avec les responsables du Congo n'est pas à vendre. J'avais dit que je lance une campagne. La vérité sur Dan Gettler. La vérité sur les activités de Dan Gettler. Parce que je trouve assez anormal que le monde entier puisse s'apitoyer sur notre sort, sur nos relations avec cet homme-là, et que nous-mêmes nous donnions l'impression que nous n'en souffrons pas. Non, la victime, c'est nous. Nous devons connaître la vérité sur les activités menées par M. Dan Gettler. Je n'affirme rien, je voudrais savoir la vérité comme un citoyen congolais. Comment est-ce que cet homme peut être sanctionné par les trésors américains alors que la plupart de ses activités sont menées ici chez nous? Je voudrais savoir comment est-ce que Kabila a pris des blocs pétroliers, bloc 1, bloc 2, Graben Alberti. Il a donné à M. Dan Gettler qui ne l'exploitait pas, alors que monsieur continue à voir son contrat et son permis d'exploitation être renouvelé tout le temps. Quel intérêt nous avons à avoir des blocs pétroliers? Et les voisins commencent déjà à exploiter ça, notamment l'Ouganda. L'heure de la vérité a sonné. Vous devez nous dire qu'est-ce que le Congo a gagné en gardant ses relations avec M. Dan Gettler. Qu'est-ce que M. Dan Gettler nous apporte? J'inviterai ici demain le responsable
de l'ONG Congo n'est pas à vendre. Et je continuerai donc à alerter l'opinion sur les activités de M. Dan Gettler. Les amis, pour terminer cette émission, je voudrais quand même dire deux, trois mots sur la cacophonie qui existe actuellement au niveau de cadastre minier. Vous savez, Camille, on a vu deux correspondances contradictoires de l'actuel ministre des Mines, Mme Antoinette Nsamba Kalambaye, qui appelle à des remises et reprises. Il fixe une date, elle revient plutôt elle-même sur cette date-là. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je me permets de vous lire les deux correspondances et puis je dirai un mot. La première correspondance à M. Jean-Félix Mupande Kapoua, directeur général du cadastre minier à Kinshasa. Monsieur, en exécution de l'ordonnance numéro 18/138 du 27 décembre 2018, portant nomination des membres du conseil d'administration et des directions générales d'un établissement public dénommé cadastre minier, en sigle CAMI, je vous demande de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire la remise et reprise avec les directeurs généraux entrants ce lundi 31 mai 2021 à 10h30 sous la supervision des messieurs le secrétaire général aux mines et les directeurs de mon cabinet qui m'élisent en copie. Veuillez agréer, messieurs les directeurs général, l'expression de mes sentiments patriotiques. Là, c'est la ministre des Mines. Le 27 mai, il écrit une lettre pour adjoindre les directeurs généraux des CAMI à faire une remise et reprise le 1er, je crois, à faire une remise et reprise. Quelques jours après, elle revient sur sa décision et elle écrit une autre lettre. Objet remise et reprise report. Messieurs les directeurs généraux, dans la perspective de la poursuite de l'exécution de l'ordonnance numéro 18 à Saint-Barbare, décembre 2018, portant nomination des membres de conseil d'administration et des directions générales d'un établissement public dénommé cadastre minier en sigle CAMI, la cérémonie des remises et reprises qui était prévue pour ce lundi 31 mai est reportée au jeudi 17 juin. Dans l'entretemps, il vous est formellement interdit de porter des actes, des dispositions de biens et des fonds ou faire des mouvements des personnels de votre établissement. Désormais, vous expédierez les affaires courantes en attendant la passation des pouvoirs dans le cadre et la tradition républicaine qui sera supervisé par le monsieur le secrétaire général des mines et les directeurs des cabinets de mon cabinet qui m'élisent en copie. Veuillez agréer. Le 27 mai, Madame la ministre écrit une lettre au directeur général des CAMI, cadastre minier, pour lui dire de faire la remise et reprise le 31 mai. Deux jours après, elle-même, elle revient sur sa lettre pour repousser cette remise et reprise au 17 juin exactement. Qu'est-ce qui se passe? Moi, la première question que je me pose, c'est la précipitation de Madame la ministre. De quoi s'agit-il exactement ici? Il vous souviendra que, à la veille de son départ, Joseph Kabila a signé une série d'ordonnances que beaucoup ont décriées. Pour la plupart des Congolais, ces ordonnances-là étaient des ordonnances signées à la 642 pour permettre à Kabila d'avoir la main à la dernière minute de son pouvoir sur certains secteurs. Donc, Kabila signe les ordonnances pratiquement à la veille de son départ, et dans ces ordonnances, il nomme d'autres mandataires au cadastre minier. Mais le tollé suscité par cette affaire fera que certains mandataires ne puissent pas être touchés par ces ordonnances-là, notamment le directeur général des cadastres miniers. Pourquoi? Parce que lorsque Kabila signe ses ordonnances via Némi, la présidence de Kabila elle-même, finissante, ne prend pas soin de pouvoir envoyer des copies certifiées conformes de ses ordonnances au ministre des portefeuilles notamment, pour que celui-ci puisse
notifier les nouveaux mandataires. Ce qui fait que jusqu'à l'heure où nous parlons, les mandataires nommés par Kabila n'ont jamais été notifiés de leur nomination. Donc, depuis 2 ans, l'actuel directeur général de CAMI continue donc à faire son travail. Monsieur Kabouéloulou, à l'époque même, qui était aussi ministre des Mines, il n'a pas non plus reçu copie déclarée conforme à cette ordonnance-là, signée par Joseph Kabila. En réalité, le ministre concerné, notamment les ministres des Mines et les ministres des Portefeuilles, qui devaient assurer l'exécution de l'ordonnance, devaient recevoir les copies. Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'après le tollé général suscité par cette affaire a fait que M. Kabila puisse reculer sur un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, on ne comprend pas que Mme la ministre des Mines, à peine installée, elle décide, elle, de revenir sur une ordonnance qui est rentrée en veilleuse depuis plus de 2 ans. Quel intérêt, Mme Antoinette Nsamba Kalambay, a-t-elle à voir le changement à l'heure où nous parlons au sein des cadastres miniers? Soit dit en passant ici, lorsqu'on signe ces ordonnances-là, qui est ministre des Mines? Le ministre des Mines, c'est M. Kabouéloulou. Il ne fait absolument rien parce qu'il n'a pas été saisi par cette ordonnance-là. Kabouéloulou part, il s'est fait remplacer par un autre ministre qui fait son intérim. Après ce ministre-là, c'est Willy Kitobo qui vient, qui devient ministre. Et il y a un mois, Jeannette Kalambay est nommée ministre des Mines. Et elle veut avoir la prétention de pouvoir mettre en exécution ces ordonnances-là complètement renvoyées dans les oubliettes. Pourquoi cette précipitation-là? C'est la question que je me pose. Pourquoi cette précipitation-là? Beaucoup d'informations circulent à gauche et à droite. J'ai lu un article, et je préfère d'ailleurs le partager avec vous, qui reprend certains éléments sur cette affaire qui, à mon point de vue, commence à devenir assez rocambolesque. Les gens se demandent, par exemple, pourquoi l'exécution tardive? Pourquoi aujourd'hui les autres ministres qui sont passés avant Madame Antoinette étaient-ils fous? Étaient-ils moins intelligents? Était comment pour que eux ne se précipitent pas à mettre en branle ces ordonnances contestées et qu'elles viennent 3 ans plus tard? C'est par bonne foi, c'est par innocence, c'est pas... Je ne comprends absolument rien. Et beaucoup également se posent la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans ces ordonnances-là. Et puisqu'il ne faut pas oublier, ces ordonnances-là n'ayant jamais été mises en branle, n'ayant jamais été exécutées, la plupart des mandataires qui ont été nommés ne peuvent plus rentrer parce que l'un est aujourd'hui vice-gouverneur de Tanganyika, il était parti avec Zoé Kabila, et l'autre ministre. Pourquoi Mme s'obstine seulement à remplacer le DG de CAMI, alors que l'ordonnance reprend beaucoup d'autres mandataires qui aujourd'hui sont dans l'incompatibilité? Qu'est-ce que Mme va faire? Il va aller prendre le vice-gouverneur de Tanganyika pour l'imposer au CAMI, il va aller prendre celui qui est devenu ministre pour l'imposer. Qu'est-ce qui se passe exactement? Et on sait qu'à l'heure où nous parlons, dans le cadre de l'Union sacrée, les gens sont en train de travailler. Ils se préparent pour renouveler les mandataires des entreprises publiques, des portefeuilles de l'État. Pourquoi ne pas patienter dans les jours qui arrivent, dans les mois qui arrivent? Son Excellence, Monsieur le Président de la République, va signer une ordonnance de remplacement des mandataires. Pourquoi lui doit se précipiter? Les questions se posent, les amis. Les questions se posent. Il est à noter qu'en droit administratif, une ordonnance de nomination est un acte de portée individuelle qui porte ses effets à la notification à l'intéressé et non par la publication. Les gens qui ont été nommés, je l'ai dit ici, n'ont jamais été notifiés. N'ont jamais été notifiés. Madame la ministre aurait mieux fait de commencer par se rendre compte si effectivement ces ordonnances-là étaient valables, parce que ces ordonnances-là ont été signées. Est-ce que dans les archives du ministère des Mines, a-t-elle trouvé les traces de l'ordonnance certifiée conforme envoyée par le président Kabila de l'époque
pour que lui, 3 ans après, elle vienne demander la mise en exécution de ces ordonnances-là. C'est flou tout ça. C'est flou. Je ne comprends pas ce qui se passe exactement. C'est flou. Et j'ai vu un ami m'envoyer un truc, je vais d'ailleurs lire certaines de ses lignes. Il dit, après avoir posé trop de questions sur l'opportunité de cette remise et reprise, son caractère prétendument urgent, il est à noter que c'est un lobby basé notamment ailleurs qui voudrait monter. En fait, en réalité, on a l'impression qu'une cabale, que des personnes qui sont en mal de positionnement à l'heure où nous parlons, tiennent absolument à régler soit des comptes au niveau des cadastres miniers, soit à avoir des positionnements là-dessus. Madame la ministre Antoinette Samba Kalambay, vous êtes devenue ministre des Mines à l'heure où nous parlons. Je viens de parler de Dan Gettler. Yuma nous a dit qu'on nous a dépossédés de nos titres miniers. Yuma nous a dit que nos mines ne nous appartiennent plus. C'est là qu'il faut aller réformer. L'urgence se trouve là-bas. Permettre au pays de renégocier les contrats léonins. Permettre au pays de rentrer dans ses droits. C'est ici que j'ai salué notamment l'action menée par Didier Boudimbou, qui permet aujourd'hui de voir M. Dan Gettler bloqué dans les permis de renouvellement de ces blocs pétroliers. La Gécamine a été saucissonnée, Madame Antoinette. Kabila a tout. Il a fait des histoires là-bas. C'est là-bas qu'il faut commencer, Madame. Quel est le plan pour la relance de la Gécamine? Quel est le plan pour permettre aux locaux de retrouver ces biens escroqués? Quel est le plan pour nous permettre, pour permettre à nos mines de revenir aux Congolais? Yuma nous a dit qu'elle nous... Madame, nous vous attendons là-bas. On ne vous attend pas dans de petites choses ici, remises et reprises. Vous écrivez, vous vous contredisez, vous écrivez, vous revenez sur vous-même. On ne vous attend pas dans ça, Madame. Les warriors, le fossé est grand. Kabila a détruit les pays. Kabila nous a laissé vraiment dans une situation compliquée. Nous attendons des remèdes, des chocs pour faire avancer le pays. Pas des histoires. On écrit une lettre aujourd'hui, demain soi-même on revient sur ça. Changer un DG au cadastre minier, patientez. Monsieur Tshisekedi va bientôt signer le remplacement des autres mandataires. Pourquoi on se précipite au cadastre minier? Quel intérêt Madame la ministre a-t-elle là-bas? Pourquoi Madame la ministre a fait focus là-dessus? Quel est son plan pour la relance de la Gécamine? Quel est son plan pour nous permettre de retrouver tous nos parts en termes de mines que Kabila a dilapidées? Nos carrés miniers vendus à vil prix. Madame, on vous attend là-bas. C'est là-bas que le Congo a besoin de vous. On n'a pas besoin de petites choses ici, une lettre ici. Vous-même, vous vous contredisez, vous revenez sur votre lettre, vous écrivez une autre. Non, non, on ne vous attend pas là-bas. Et en plus, on sait que dans le jour qui arrive ici, des nouvelles ordonnances qui nomment des mandataires, tous les mandataires que Kabila a laissés vont partir. Ça, c'est clair, on le sait. Bah, José Makila, Mais pourquoi on se précipite? L'émission est terminée, les amis. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Allez, bonsoir chez vous. La boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokunzi. Naina lipo.
zanangai yesu ya motonzi misa motima na pesi okunanga po ete obongi nango naina libonza nanga na makolo na yo yesu kopisa yokunanga po ete obongi nango libonza nangai yesu ya motondimisa motema napesi yokumunanga po ete obongi nango Zambo eleka kate Kitie, kitie Kiti angwe bongi na yo Bukonziye, bukonziye Ya zambo eleka kate Uya kipona ndakwa kobe Zali bila misia Lilo na motema nanga Na pesi yo kiti na yo Mwana ya Dawidi mesia Mokonzi ali bila ya bikeke Uya na motema nanga Usalanga itempelo na yo Na mimandi kumbo na yo Kumbo na yo isu nanga Bisika biano yeswe Sika ya kimbo na yo Kitie, kitie Kiti angwe bongi na yo Mokonziye, mokonziye Yanzambo ilika kate Kitie, kitie Kiti angwe bongi na yo Mokonziye, mokonziye Sini na bakumu ya mokini ye